Eh bien bonjour à tous, c'est BFA, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois pour une vidéo où cette fois-ci j'ai envie de vous parler de stratégie, de conseils, de mon expérience concernant les GDC. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire, je sais pas comment... Là je suis tout seul, j'ai pas d'invité, donc en général je parle un peu moins longuement quand je suis tout seul, mais c'est pas dit. Donc je ne sais pas si ça va être une vidéo en un volet ou plusieurs volets. En tout cas je voudrais donner mon point de vue... de manière globale en ce qui concerne les GDC, j'ai noté quelques points que j'aimerais aborder et donc j'aimerais aussi avoir votre avis en retour de cette vidéo par commentaire, etc. sur tout ce que j'aurais pu dire, et voilà, histoire qu'on puisse échanger, partager et débattre chacun de notre expérience. Alors concernant les GDC, donc les GDC des guerres de clans, c'est, moi je trouve que c'est le concept des guerres de clans depuis qu'il y a eu cette nouveauté. Maintenant elle est plus toute fraîche, mais quand même c'est une nouveauté qui a été qui a eu un gros impact sur le jeu et qui a redonné beaucoup de, qui a relancé le jeu et l'intérêt de beaucoup de joueurs qui se lassaient soit du farm soit du rush. Et donc c'est un bon compromis entre les deux pour ceux qui ont envie de s'éclater, voilà, de trouver un petit peu une ambiance de compétition avec son clan. Et donc moi personnellement je suis très friand des GDC, j'en fais assez régulièrement, un petit peu moins en ce moment, mais sinon j'ai été assez régulier là-dessus, je les enchaînais, que ce soit dans un clan ou que j'avais créé ou d'autres où j'ai pu aller à droite à gauche, je me suis pas mal éclaté avec ça. Alors on va tout de suite aborder les différents points dont je voudrais vous parler. Tout d'abord, alors je vais les donner en vrac, mais voilà, parce que j'ai pas pris le temps de réfléchir quel était le bon ordre dans le plan de cette vidéo. Il y a le sujet du meilleur moment pour lancer une GDC. Alors, quel est le meilleur moment pour lancer une GDC? Il y en a, j'avais interviewé au cours d'une vidéo de mes aventures le chef du clan Imaginatic qui était Cerise et qui est un clan qui était invaincu pendant longtemps. C'est plus le cas malheureusement pour eux, mais en tout cas, ça reste un clan assez costaud en guerre de clan. Pour eux, en tout cas, ils lançaient régulièrement leur GDC à la même heure. Par exemple, c'était tout le temps du 20h. C'est bien parce que on a souvent des problèmes en GDC, c'est que les joueurs, parfois, ils sont un peu paumés quand on mélange un peu les horaires, ils se retrouvent, avec une GDC qui est lancée à minuit, c'est pas forcément pratique pour chacun de pouvoir la démarrer, pour faire ses deux attaques. Il y en a qui aiment bien se partager les deux attaques en soirée. Si on fait un lancement à 20h et que ça démarre à 21h, et ben il y a possibilité au Battle Day d'en faire une première au premier jour à 21h30 par exemple et de faire sa deuxième bataille le lendemain à 20h avant la fin. Ça peut être très intéressant, donc choisissez bien vos horaires par rapport à la majorité, j'ai envie de dire, des joueurs du clan, si c'est mieux le soir, si c'est mieux en journée, si c'est mieux aussi par rapport au jour, si le week-end. Pour ceux qui ne font pas des GDC à répétition et qu'il y en a qui sont plus dispo le samedi soir que le vendredi soir, voilà, vous voyez tout ça et c'est bien d'être régulier. Il faut savoir aussi qui participe, c'est très important. Donc il y a des messages de clan, il ne faut pas hésiter à mettre des messages de clan pour demander aux gens de dire s'ils sont dispo ou pas dispo pour la GDC parce que chaque attaque est vraiment déterminante et il faut que tout le monde puisse participer dans sa globalité. Et donc, si vous êtes un clan, en tout cas full GDC, c'est impératif que tout le monde fasse ses deux attaques. Si ce n'est pas le cas, il faut quand même un minimum de présence parce que ça serait bête de perdre pour une activité. Les organisations, maintenant les organisations concernant les GDC. Il y a différentes organisations. Quelle est la meilleure? Il n'y a pas une meilleure organisation qu'une autre. Il y a une meilleure organisation qu'une autre par rapport à un clan, à son nombre de joueurs, au niveau des joueurs, au type aussi de base que vous avez, etc. Tout d'abord, ce qu'on recherche, il aurait peut-être fallu commencer par là, ce qu'on recherche en GDC pour avoir la victoire, c'est le maximum d'étoiles. Bon, ça paraît bête à dire, mais ça veut dire que ça peut, selon certains cas de figure, ne pas être satisfaisant de faire 2 étoiles sur un village. Gagner avec 2 étoiles, c'est pas satisfaisant. Certains aussi sont satisfaits parfois de faire 1 étoile sur une base qui se disent bah, elle était grosse, c'est bien quand même, j'ai fait 1 étoile. Ça dépend. Ça peut ne pas être satisfaisant, comme ça peut être très satisfaisant. Ça dépendra du contexte. Ça dépendra du niveau du clan. Si vous êtes HDV8 et que, je sais pas, tout le monde a battu les HDV8 en face et puis qu'il reste que des HDV10 et que vous, y a que quelques joueurs HDV8 qui doivent attaquer les HDV10 et qu'ils arrivent à faire 1 étoile, là oui, c'est satisfaisant. Maintenant, si c'est des adversaires de même niveau, vous êtes tous les deux HDV10 avec, on va dire, des bâtiments défensifs plus ou moins similaires aux vôtres, et ben c'est pas satisfaisant de faire 1 étoile et au contraire,
Quand on a de la max base, il faut chercher à faire 2 étoiles. Quand on a des bases inférieures, de type HDV9, de type HDV8, il y a moyen à ce qu'un HDV8 fasse 3 étoiles sur un autre HDV8. Et pareil aussi pour un HDV9, c'est possible avec certaines compositions. Donc la recherche d'étoiles est importante et d'optimiser ça. Comment ça peut se passer maintenant concrètement? On peut avoir des cas de figure où on a un clan qui n'est pas très homogène dans ses levels, c'est-à-dire qu'on va avoir, je sais pas, des levels 100, 120, et en même temps on va être mélangé avec un groupe de joueurs à 70, 80, ce qui fait qu'on a un mélange de bases en face qui vont être, ça va aller peut-être de l'HDV8 à l'HDV10. On va prendre des cas comme ça, on va pas pouvoir traiter tous les cas, mais on va prendre des cas, voilà, des cas de la sorte. Il faut généralement, alors voilà, je vais prendre un exemple d'organisation chez Sky Legacy, qui est un clan, un gros clan de farming, garde-clan international. Ils utilisent, ils ont des règles, il faut établir des règles. Ils ont dans leurs règles le fait qu'un joueur sur la map, il a une position, si vous êtes, dixième, eux, ils n'autorisent pas d'aller taper au-dessous de cette position en dessous la leur. Alors c'est un clan qui est quasiment full à chaque fois, donc si c'est des hélices à 45, 45, 50, 50, forcément, on peut, ça joue aussi. C'est-à-dire que si vous êtes un clan à 10, ben ça tient pas la route d'avoir une règle comme ça. Sur un clan comme ça, où il y a des gens maxés, d'autres qui ne le sont pas, ils décident que vous ne pouvez pas attaquer trop en dessous de vous. Par contre, au-dessus de vous, ça dépendra, eux ils autorisent à condition qu'on est entre guillemets, on n'est jamais sûr de rien, mais qu'on pense pouvoir réussir à faire un bon score, un bon résultat. Donc par exemple 2 étoiles sur une grosse base alors qu'on en a une un tout petit peu plus faible. Ça c'est important. Dans l'organisation aussi, ce clan-là n'autorise pas certaines utilisations de troupes. C'est-à-dire que par exemple utiliser des troupes trop basiques type géant, barbare, archer, alors que encore une fois ce sont des clans qui sont globalement remplis d'HDV9, HDV10, c'est pas satisfaisant, ça sera considéré comme une faute dans leur clan, qu'on ne s'investit pas dans la GSDC, qu'on utilise des troupes trop light et qui favorise le fail ou favorise donc la non-réussite d'une attaque en GDC. Et donc il leur donne, j'ai envie de dire, d'utiliser des troupes lourdes de type full dragon, go wee-wee, go wipe, etc. Toutes les diverses compositions qu'il peut y avoir avec les golems, les sorciers, les sorcières, les PK, les valkyries, etc. Ou à une époque, c'est un peu moins le cas maintenant, depuis que les cochons sont moins efficaces avec les bombes géantes, etc. Mais du full cochon, des compositions de ce genre, ballon serviteur, etc. Donc les troupes trop faibles ne seront pas utilisées en quelqu'un, et je pense que c'est une bonne chose que d'obliger les gens, en tout cas, à utiliser des compositions assez lourdes. Attention maintenant, je ne recommande pas ceux qui obligent à utiliser certaines compositions ou aussi qui attribuent des cibles. Alors on va arriver aussi sur le niveau des cibles, en tout cas je termine sur les compositions. Je pense que la meilleure composition c'est aussi celle que l'on maîtrise. Si quelqu'un n'est pas à l'aise avec du full dragon, ça ne sert à rien de lui dire tu vas faire un full dragon sur le 17 ou sur le 15 s'il n'est pas à l'aise là-dessus. Il faut laisser un petit peu de liberté aux gens de choisir la composition avec laquelle ils sont la plus à l'aise. Concernant les cibles, puisqu'on en parlait, il y a certains qui attribuent les cibles. Donc c'est le chef ou les chefs adjoints qui dit bah toi tu vas prendre celui-là, toi tu vas faire celui-là, toi tu vas faire ci, toi tu vas faire ça. Je ne suis pas favorable aux cibles qui sont attribuées parce que j'estime qu'il y a beaucoup de critères qui rentrent en ligne de compte dans le choix d'un adversaire, et ce n'est pas simplement. Parce que généralement, c'est pas simple d'attribuer des choix, et il s'est fait en général par rapport au niveau du village, au niveau des bâtiments défensifs et des troupes que possèdent d'autres personnes, mais il n'y a pas que ça. Moi, par exemple, je pense que le critère design de la base a un impact plus important même que le niveau défensif des bâtiments. C'est-à-dire que parfois, j'ai plus de difficultés à réussir une attaque sur une base avec des bâtiments, je sais pas, qui ne va pas être max, et qui va avoir un super design défensif par rapport aux compositions que j'utilise, ou même parfois par rapport à toutes les compositions qu'on peut imaginer. Il y a des fois des designs assez hybrides qui sont ni simples en aérien, ni simples en terrestre, etc. Alors que d'autres,
avoir des bâtiments défensifs maxés et un design qui tient pas la route et qui du coup est beaucoup plus facile d'accès, même qu'on va avoir des T2 max, des TDS max, etc. Donc en général, c'est la personne qui, avec sa composition fétiche, avec le design qu'elle peut analyser sur les opposants, qui sait ce qui est le plus adapté pour elle à réussir à aller faire le meilleur score, à optimiser les étoiles. Donc je préférais une stratégie d'organisation où on autorise la réservation de cibles. Voilà, et ça, beaucoup de clans autorisent les réservations, fonctionnent avec un principe de réservation. Ça me paraît intéressant pour deux points de vue, parce que déjà, la personne va choisir une place qui lui convient bien. Deuxièmement, elle est réservée, ça veut dire que quelqu'un, on a préparé sa stratégie, on a étudié un village, et puis s'il n'a pas été réservé, bah, quelqu'un d'autre va vous le prendre, et puis vous dire, mince, c'est celui-là que je veux attaquer, et du coup, il a été pris par quelqu'un d'autre. Du coup, ça, c'est pas terrible. Ensuite, concernant donc l'organisation là-dessus, c'est bien d'avoir un outil parallèle en dehors de Clash, en dehors du chat de clan, en dehors des messages de clan, pour pouvoir communiquer en préparation de GDC, en cours de GDC, pour pouvoir faire varier des fois selon les flops qu'il y a pu avoir, des fails, etc. Revisiter sa stratégie d'une guerre, et donc de communiquer à travers un forum, à travers un logiciel de messaging, que ce soit LINE, que ce soit avoir un forum privé sur clashofclans.fr, comme on en a parlé souvent, que ce soit, je ne sais pas, un groupe Facebook, etc. Il y a beaucoup d'outils possibles. Et donc, je recommande à ce que les clans qui font beaucoup de GDC, en tout cas, même si vous n'êtes pas beaucoup, en tout cas, si vous avez des utilisateurs, des joueurs actifs, d'avoir de fortement recommander l'utilisation d'un outil pour pouvoir communiquer ses stratégies, ses conseils, etc. autour des GDC qu'il y a lieu dans le point. Toujours en concernant les organisations, les stratégies, comme j'ai dit, des fois, il y a des guerres qui sont homogènes, enfin des clans qui sont homogènes, donc en niveau des, enfin hétérogènes plutôt, avec des petits levels, des gros levels. Il y a des fois des stratégies qui disent bon bah les petits attaquent les petits, les gros attaquent les gros. Et ben des fois il y aura des cas de figure où l'inverse peut être intéressant. Je m'explique. Les gros qui attaquent les gros, généralement c'est pour taper du 2 étoiles, c'est ce qui est satisfaisant. Le 3 étoiles est assez exceptionnel, quand on arrive à le faire c'est spectaculaire, on est content, mais c'est pas ce qu'on vise de manière générale. Les petits, eux, ils vont viser aussi un 2 par rapport à leur équivalence, voire un 3. Mais si on est plus sûr, ou plutôt, on n'est pas sûr qu'un gros va faire les 2 étoiles, alors a du mal à faire les 2 étoiles sur un autre gros, et ben ça peut être intéressant que le gros va tenter, ou à plus forte probabilité de faire un 3, par exemple sur un plus petit que lui, va raser un 3, va faire 3 étoiles, et un petit, il y a possibilité de les former à une composition grattage, c'est-à-dire taper une étoile sur un gros. Un barbare archer, il y en a qui montent champion grâce à ça, il y en a qui font aussi du grattage ballon serviteur, c'est-à-dire qu'ils ne visent pas l'HDV, qu'ils visent un 50% grâce au... Bah voilà, gratter 50% des bâtiments pour avoir une étoile. Du coup, 1 plus 3, ça fait 4, on peut avoir 4 étoiles. Si c'est plus assuré d'avoir 4 étoiles comme ça que de dire les gros vont faire 2, les petits vont faire 2, ça fait 4 aussi, mais si c'est moins sûr que le gros fasse 2 en face, parce que y a un risque de 1, ça peut être intéressant. C'est une stratégie qu'on a déjà employée, ça dépendra de la guerre, ça dépendra de qui on a en face, mais ça peut être intéressant de dire les petits vont gratter une étoile sur des gros et les gros vont faire 3 sur des petits. Les compositions, j'ai dit brièvement comme ça, mais encore une fois, utiliser des compositions lourdes, donc il faut avoir des compositions de type Go Wiwi, Go Wipe, Full Dragon, Cochon, Serviteur, etc. Et savoir les utiliser, et utiliser encore une fois celles que vous maîtrisez. Lorsque vous recrutez pour des nouveaux joueurs, il faut essayer, et c'est ce que fait le clan par exemple Imaginatic, que j'ai cité je crois en début de vidéo, c'est leur stratégie aussi d'évolution dans le clan, de dire on a des joueurs fidèles qu'on connaît, qui ont fait leurs preuves, on est une vingtaine. Lorsqu'on a par exemple 10 nouveaux, on ne peut pas se permettre de prendre 10 nouveaux en guerre de clan. S'il y a trop de fails, on ne va pas pouvoir rattraper toutes les bêtises. Et c'est un peu tendancieux. On va plutôt essayer de faire les nouveaux, les rentrer au fur et à mesure, et donc d'autoriser, je sais pas moi, 2, 3, 4 nouveaux joueurs dans une GDC. Tout dépendra en fait du volume de joueurs que vous avez. Si vous êtes à 20-25, et ben 5 ça a du sens. Si vous êtes à que 10, et ben si vous en prenez 5 nouveaux, 10 ça fait carrément 50% de plus de nouveautés, de nouveaux joueurs, ça peut impacter vos résultats. Donc ne mettez pas trop de nouveaux joueurs d'un coup dans une nouvelle GDC que vous ne connaissez pas. Concernant les profils de ce joueur, alors certains regardent, à juste titre,
ou pas les nombres d'étoiles gagnées, le nombre d'étoiles en GDC et les butins récoltés. Pourquoi les butins et pourquoi les étoiles? Alors, c'est un faux ami parce que on se dit beaucoup d'étoiles, donc il est fort, et on se dit beaucoup de butins, c'est qu'il n'a pas aussi attaqué que des petits. Oui et non. Quelqu'un qui va faire beaucoup d'étoiles et des très gros butins, ça veut pas dire qu'il réussit tout le temps à faire une étoile. Parce que s'il fait qu'une étoile à chaque fois sur un gros, et ben il va avoir très peu d'étoiles et de très gros butins. Et donc du coup, il va dire, ouais, il a attaqué avec des gros et c'est pour ça. Donc, c'est pas forcément un critère viable. Le nombre d'étoiles, encore une fois, seul, et ben on peut attaquer plein de petits, faire 3 étoiles à chaque fois. On peut avoir 200 étoiles de guerre, et ben on n'a pas pour autant prouvé qu'on était capable de taper des bases qui étaient similaires aux nôtres ou supérieures. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, les étoiles de guerre, bon, ça indique que la personne est active en guerre. Donc déjà, c'est déjà un bon critère, c'est que si elle a 200 étoiles de guerre, c'est qu'elle aime faire du GDC, c'est qu'elle en fait, c'est qu'a priori, c'est pas quelqu'un qui, a priori, je dis bien encore une fois, rien de sûr, va pas vous planter en faisant pas ses attaques ou des choses comme ça. Donc ça, c'est bien de le regarder pour avoir un indicateur d'activité, mais nullement pour avoir un indicateur de ce que la personne est solide ou pas. Ensuite, il y a certains qui ont une stratégie de simuler un abandon en GDC. C'est-à-dire que des fois, ça dépend. J'ai déjà vu ça. En tout cas, je l'ai vécu contre des adversaires qui semblaient, ben voilà, à quelques minutes de la fin, en fait, ils lançaient 5 attaques enfin. On pensait que c'était fait, du coup, les gens ne s'étaient pas relâchés. On avait joué normal, on s'est dit c'est bon, on a un peu d'avance. Et en fait, à la fin, dernière minute, 5 attaques en même temps, des étoiles qu'on se prend dans la figure et on perd une GDC comme ça. Alors, ça peut faire mal, mais vous pouvez aussi utiliser cette stratégie qui est assez vicieuse. Et il faut savoir ce qu'on fait, donc il faut faire croire à votre clan adverse que vous avez abandonné. Donc du coup, ils vont utiliser des attaques, leur deuxième attaque par exemple, pour farmer. C'est-à-dire, bon, bah, je pourrais encore optimiser une étoile ou deux en allant tenter un 3 étoiles sur là où il y en a 2, tenter un 2 étoiles où il y en a 1. Ben non, je vais aller refaire, je ne vais pas rajouter d'étoiles sur un village qui a déjà pris des étoiles, juste faire une victoire sur un gros village pour aller prendre du butin. Alors, c'est effectivement vous de votre côté, votre deuxième attaque vous l'utilisez comme ça si vous estimez vraiment sûr que vous allez gagner. Maintenant attention, ça peut être une simulation d'abandon, et à ce moment là vous pouvez vous aussi utiliser cette technique de simulation d'abandon, faire croire à l'autre que allez-y vous pouvez fermer, et en réalité vous allez préparer tous vos joueurs, mais ça faut être très coordonné pour ça, pour lancer toutes les attaques, enfin une grande partie des attaques en dernière minute pour aller ramasser un nombre d'étoiles, et eux n'auront pas le temps de réagir, ne serait-ce que même s'ils avaient la capacité de le faire en termes de potentiel des joueurs, mais les réunir tous au dernier moment pour qu'ils fassent leur attaque, c'est pas dit, parce que chacun n'est pas derrière son écran 24 heures sur 24. Donc ça, c'est assez vicieux, mais c'est une stratégie aussi de GDC. On en vient à un point. Où trouver un bon clan GDC? Alors, j'en ai parlé dans un JT, je ne sais pas s'il est publié alors que je vous parle, je pense qu'il va arriver après cette vidéo, mais il y a une personne qui a recensé, en tout cas qui met à jour sa liste, parce qu'elle n'est pas exhaustive, il la met au fur et à mesure que les gens lui communiquent des informations, une liste des tops des clans GDC français, alors, parce que là, dans cette vidéo, je parle plutôt des clans français, ceux que ça intéresse à l'international, il y a aussi de très bons clans, mais ça, je pourrais vous communiquer ça hors vidéo. Une liste des meilleurs clans, c'est-à-dire une liste des clans qui ont fait le plus de victoires. Voilà, et dedans il y a des clans assez high level, il y a des clans aussi middle level, c'est-à-dire des clans de level 70-80 qui sont aussi des très bons guerriers de leur niveau à eux et qui ont beaucoup de victoires. Et donc ça peut être intéressant d'aller checker cette liste pour avoir donc une liste de clans. Donc c'est un top 50, vous aurez 50 clans qui font beaucoup de GDC, qui ont beaucoup de victoires. Et donc vous pourrez trouver des bons clans GDC, ça vous évitera de vous taper des clans où il y a beaucoup de défaites ou pas d'organisation, etc. Parce que généralement les clans qui ont beaucoup de victoires, ils ont un minimum d'organisation. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo conseil stratégie en GDC. Je sais pas, j'ai peut-être d'autres choses à rajouter, mais on verra dans une prochaine vidéo. En tout cas, ce qui est important, c'est d'avoir une stratégie et c'est de pas de faire des gaffes. En tout cas, si c'est juste pour vous amuser, bon bah faites-la, lancez-la et puis chacun fait son truc. Maintenant, si votre objectif c'est quand même de les gagner, vos guerres de clan, ayez une stratégie, ayez des outils, voilà.
utiliser les messages de clan, etc. etc. Tout ce qu'on a un peu pu dire dans cette vidéo. Et quand même, voilà, faites attention aux joueurs que vous rajoutez dans vos guerres de clan. Ayez un bon management pour vraiment voilà, fidéliser les bons joueurs et les nouveaux, ben, il faut parfois les réprimander aussi s'ils font pas ce qu'il faut. Parce que voilà, à moins que vous vous en fichiez, ça c'est votre problème, et si vous en fichez pas, il faut les driver. Soit un management, bah non, si ça résonne pas de niveau, ils n'ont pas de niveau, soit effectivement certains clans qui, pour pas les citer, je les ai pas cités aujourd'hui, mais le clan Zob, qui eux, quand ils ont des joueurs qui sont pas très bons en GDC, vont plutôt les coacher, les aider à s'améliorer. Voilà, il y a des clans qui aident à s'améliorer en GDC et d'autres qui font l'épuration. Donc t'es bon, tu restes, t'es pas bon, tu restes pas. Voilà, j'attends vos commentaires sur cette vidéo. Vous aurez vu un tas de petits gameplays au fond, j'espère qu'ils vous auront plu aussi. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres sujets divers et variés. Ciao tout le monde.